Ah, merci mon frérot. C'est une nouvelle. Merci Chicos. Salut à tous, c'est Chicos. Aujourd'hui, dans 50 minutes Inside the Bush. Merci pour ton Inside the Bush. 50 minutes Inside the Bush, c'est la suite pour foirer. Et demain, oubliez pas, hein, 19h, hein, The Reveal 2, les gars. Enfin, 19h, toute la soirée, quoi. Eh, rigole pas, toi, la vie de ma mère. Il va rigoler, mais il t'a pissé dessus. Ouais. Mais non. Si, Loulou, tu veux qu'on boive ton urine, Loulou. C'est ça. Tu pisses dans un gobelet et tu nous forces à boire devant toi. Dans un pichet, dans un pichet. Un pichet, quoi. Un bro. Découvrez le jeune Spyman, trisomico portugais. Il s'est fait carjacker son abat. Il n'ose jamais l'avouer. Il en a perdu 3000 euros. Tulip, t'es pas drogué? Non. T'es pas... Tulip, attends, je la repose parce que t'as du mal à comprendre. Tulip, t'es pas drogué? Non. Prostitution, Inch'Allah, kebab. Voilà les coulisses de Nice, la ville où tout est possible. Attends, on la refait. Non, vraiment, je crois qu'il y a... T'as du mal à comprendre un truc. Attends, Tulip, t'es pas drogué? Non. Découvrez Louliane, qu'on appellera Jean-Paul, pour le bien de son anonymat. Après avoir trafiqué des triples steaks, découvrez l'histoire incroyable de ce jeune promoteur immobilier. Est-ce que tu sais ce que c'est être drogué? Oui. C'est consommer de la... drogue. Voilà. Je repose la question. Tulip, t'es pas drogué? Non. D'accord. Et attends, je t'explique, tu vois. Il faut savoir que Loulou, malgré qu'il soit et le mec qui parle jamais et tout, il se passe des choses... Attends, mais Loulou... T'as essayé de charo à côté, enculé, va? Oui, il a charo plusieurs meufs. Il a charo plusieurs Attends, meufs. Attends, mais Loulou, t'es un gros chien en vrai, putain! Ouais! Oh non! Le quota! Go contrôle map. C'est à dire, c'est un contrôle map, gros. Bah, c'est chacun que tu prends des lignes, tranquille, comme tranquille. Sur Arsis, voilà. Tu prends des lignes, t'attends. Bah, c'est qui là? Non, mais putain, mais Loulou! Tu vois pas, je prends une Lino Snipe! Instant, mais tu. Eh, j'ai utilisé ton corps pour enculer un gars, par contre. Revenez en B. Allez, lève la tête. Elle est belle, elle est belle! Voilà! Mais oui, les gars, écoutez Wam! Mais cassez-vous, je veux pas de cassez-vous, putain! Mais cassez-vous! Mais niquez vos mères! Mais casse! Vas-y, bisous, gros! Et si demain je suis pas là, c'est que je suis mort! Ah bah ça va alors! Vas-y, mais je sais pas si je ferai le déplacement pour tout le temps. Mais y'a pas de soucis, gros! Eh, fais comme tout le monde! En train de plier mon cadavre, hein! Bah ouais, bon! Là, je t'assure qu'il servira plus à rien! Bah écoute, t'as pas mourir, Loulou, je pense, non? Je pense qu'au lieu d'ouvrir ta gueule, si t'as arrêté de crever en premier, Loulou, je pense qu'on peut demander l'avis au chat peut-être, Loulou, non? Ah bon, absolument pas. Déjà que Loulou sert à rien à la base, merci. C'est vous le secrétaire? Je joue secrétaire, je te. Ah bah, fais du sale. Je mets un petit string ficelle bien ferme, tu vois, bien serré. Thibaut, il mange du dauphin, ouais. Au dessert, par contre. Ouais, et il est encore vivant, il fait. Jojo, la dernière fois qu'on l'a lâché à Paris, le gars, il a bouffé tous les pigeons. Hein. Vivant. Hein. Ça battait de l'aile dans sa bouche, à ce bâtard. Hein. Vas-y, respire-moi tout ça. Hein. Vas-y, Loulou, une fois pour toi. Voilà, une fois pour moi. Non, je peux faire ça. Vas-y. Allez. Allez, Loulou, là. Voilà. Et quelqu'un veut ou pas? C'est maintenant. Hein, non, c'est bon, je lui laisse. On veut une pour deux. Vas-y. Voilà. Adieu mes frères, je vous. Attends, je tente un truc frérot. Oh, je suis Keblo. T'as mis des balles. Mais je suis Keblo! Cette arme de merde! On en a. Hop, les arbres encore! On en a marre, nous, hein! Les arbres, on les taxe pas, Exactement! 1000 ans qu'ils sont là, on les a jamais taxés. Et le peuple, on fait que ça, le taxer. On en a marre, les buissons, c'est pareil, hein! Je vois pas pourquoi on paierait des gars pour les tailler si on paye pas moi, hein! Elena, on a déjà discuté, toi et moi, comme si j'étais ton oncle, un peu. Ton oncle un petit peu chelou. L'oncle un peu chelou. Ouais, c'est un peu l'oncle qui traîne la nuit dans les couloirs, on sait pas. Merci, Mogs! Le parquet il grince, hein. Je vais à la cuisine. Donc j'allais au centre aéré pour le spectacle de fin d'année. Et en sortant de la voiture, je dis bah maman, c'est bizarre, mais ça me gratte. Donc je dis bah maman, c'est bizarre, mais ça me gratte le cou, tu peux regarder. Elle ouvre le t-shirt que j'avais. Et là, je vois qu'elle fait des grands gestes avec la main, tu vois. Je dis bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, bah il y avait trois abeilles. Alors il y avait deux qui étaient restées plantées dans la peau. Et il y en avait une qui avait réussi à me piquer deux fois. Bon, on est allé à l'hôpital direct parce que c'est dans le cou, tu vois, ça touche. Ils veulent nous baiser, ils veulent nous baiser. Ils veulent nous baiser? Mais il est rentré au calme! Quelle ne fut pas ma surprise quand j'étais en scooter? Au vent! Quelle ne fut pas ma surprise quand je sens quelque chose rentrer dans ma manche? Aïe aïe aïe! À haute vitesse! Je rappelle que j'étais au moins à 60 km/h! J'ai senti un truc rentrer, mais je savais que c'était une abeille. Hein. Je l'ai vu arriver, c'était un bordel, tu vois. Bref, ça m'a piqué. Ouais, j'ai pas de bol avec ça. C'est pour ça que j'en parle pas pour pas les attirer. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Mais quel jeu de merde! Là, je pense vraiment que je vais le désinstaller, vraiment, c'est pas une blague. Moi, je vais le désinstaller aussi. C'est trop long, tout est lent. Allez, hop, Alt F4. Pas de plaisir. Franchement, il y a vraiment des gens qui aiment regarder ça, vraiment. 3, désinstaller.
sais pas, tu fais comment pour le faire écraser par un tracteur? Ouais, je sais pas. Hein. Et là, on peut dire que l'amour était pas dans le pré. Le fermier, là, l'agriculteur, il va perdre du blé sur ce coup-là. Je me demande si c'est pas un serial killer sur le coup, en fait. Ah, il y a moyen, hein. Non, mais on sait jamais. Hein. Dans les interviews, il dit ouais, moi ça me botte pas. Hein. Mais moi, les gars, cette histoire, ça sent le foin, hein, je te le dis. Hein. Bah, c'est non, mais ça, c'est sûr. Non, mais je pense qu'il va finir sur la paille, quoi. Rien ne sert de vous énerver. Si c'est ta mère qui t'a énervé parce qu'elle t'a fait une remarque, t'as ramené un mauvais bulletin, ça sert à rien de taper dans un mur. Au pire, tu fracasses ta mère. Non, je déconne. Évidemment, je déconne, ne faites surtout pas ça. Mais il y a attaque sur attaque, les gars, là. Ouais, bah ah, là, ouais, c'est l'empire contre attaque, hein. Ça va quoi, les gars? C'est supermarché attaque. Ouais. Vas-y, gros. C'est mort, attaque. Oh, bien joué. Ça... Ah, même mon chien, ah, il valide. Oh, la boucherie, mon pote. Elle est belle. Ouais. Ça, ouais, ça, 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 ça. Oh, le full team. Je traverse avec la... Oh, belle. Voilà. Oh, t'as mangé ta mère, frère. Oh. De mort. Non, non, laissez, les gars. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Eh oui, c'est voilà. Beau. Voilà. Bien sûr, c'est beau. Grenade, grenade. Ah bah les gars, j'ai zéro texture, j'ai rien. Il est dans le blanc, derrière moi B-Boy, derrière moi. Ça a pas pris la tyrolienne, ça va vers la grosse tour. T'es où gros? Tombé derrière, ça a pas pris la tyrolienne. J'ai pas, bah ouais, mais j'ai pas de construction, j'ai rien. Et Spyman qui meurt d'une tyrolienne, les gars. Ouais, je te dis. Donc ouais, qu'est-ce que vous voulez faire en fait là concrètement là? Merci Chris le Savoyard, merci mon frérot. Il va y avoir danger. C'est une nouvelle ouais, ça marche. Oh, les multifans! Les multifans! Il nous faut le cul! Plus personne savait ce qui se passait! Eh ouais, mais c'est notre musique au soleil en fait! Au soleil, y'a des trous de balles! Ah là là, y'a la dada! Y'a Loulian et sa famille! Da la 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 la! On met tous ses fesses en l'air! Da la 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 la! La balle n'était pas sur moi! Il peut rien se passer, boum! Allez! Vas-y, Bouddhi, hein, c'est toi! Oh! Il y en a 20 Z encore. Oh putain. Jojo? Oui? T'as déjà essayé de te mettre un doigt dans le cul pour ton plaisir anal? Non, le seul truc que j'ai pris dans le cul, je crois que ça devait être suppositoire. Hein? Oh. Et alors? Bah, j'ai l'impression de nous prendre une balle de 9 mm dans le cul mais qu'on rentre à la main, quoi. Voilà. Le mec qui a inventé le suppositoire, ça devait être sûrement un... Tu sais pas ce que tu as. Mais... Et tu t'en mets des doigts dans le cul de temps en temps? Ouais. Ouais, les doigts dans le cul comme ça. Un banc. Un short. Cuisine, fais gaffe, cuisine. Derrière moi, derrière moi. Tu l'as vu? Oh là là, à ta droite. Part. Devant toi et à gauche. Là à gauche. Ici là. Oh, dommage. J'étais vénère. Jojo, faut savoir qu'il a, il a énormément de mal à lire parce qu'en fait, il a communiqué en hiéroglyphe. C'est les 10 premières années de sa vie. Oui, j'ai signé des oiseaux, moi, pour dire bonjour. Oui, parce qu'il était enfermé dans des grottes en fait, et donc avec son sang, il faisait énormément d'hiéroglyphes. Il bossait, il a charbonné, Jojo, les gars. Il a charbonné dans sa grotte. J'ai fait ce que j'ai pu, moi. Et les gars, il s'en est sorti, les gars. Et ça fait plaisir. Cloulou, qu'est-ce que vous voulez faire de vous, les gars? Prends son vieux logo là. Et les cuissons du FC Gonfreville. T'as vu une photo en noir et blanc, ça chie. Loulou, on sait que ton film préféré c'est Pacific Rim. Alors on a transformé ta voiture en robot. C'est dégueulasse et t'auras pas la classe, mais bon, c'est ton truc préféré. Loulou, t'adores la langue de bœuf. On t'a mis un veau entier dans ton coffre. Tiens, viens faire bonne nuit. Bonne nuit tout le monde.